Bien, bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? Ça va, vous m'entendez bien? On vous entend. Super. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce que l'on a fait précédemment ou je sais pas, c'était clair? Bonjour, une petite question, mais c'est un peu plus global. Ouais. Je voulais savoir si pour quand on sera évalué, les méthodes qu'on a apprises précédemment, on devra sa savoir les faire à la main ou il faudra savoir les faire sur MATLAB? Alors, les deux. Les deux. OK. Jusqu'au cours d'aujourd'hui, ok, c'est plutôt des choses sur lesquelles vous ne serez pas évalué à la fin. Ok, D'accord. sur ce que vous allez être évalué, c'est à partir du cours d'après le TP prochain. Donc aujourd'hui, vous avez un cours. Le prochain cours, c'est un TP de 3 heures. Et après, vous avez un cours sur lequel Monsieur Stefan va vous évaluer réellement. Et donc sur cette partie-là, c'est sur la partie équation aux dérivées partielles. Il y a donc les schémas. Essentiellement, c'est l'équation de la chaleur. Mais voilà, il y a deux parties. Une, c'est. Alors, ça dépend comment ça va, comment la situation va permettre de faire les choses. Mais l'année passée, quand on a eu la crise du Covid, disons un peu à l'arrache, on a dû évaluer les étudiants par un projet. Alors, le projet a toujours existé. Okay? Le projet a toujours existé, Covid ou pas Covid. Mais l'année dernière, on n'a pas pu faire des examens en présentiel, du coup, on a dû se restreindre que à l'évaluation par projet. Cette année, vu que c'est avec beaucoup plus de temps de prévision, mais je ne sais pas, je dois parler avec lui tout à l'heure, je pense qu'il y aura une interrogation écrite plus un BE. Normalement, alors, le fonctionnement normal, c'est interrogation écrite plus BE plus projet. Okay? Dans lesquels, donc le projet, bah, vous avez un petit sujet, je peux vous montrer ceux de l'année dernière si vous voulez, un sujet appliqué et vous devez mettre en place un schéma numérique pour le résoudre. Et à la fin, vous obtenez un code MATLAB et vous faites tourner ce code MATLAB pour créer des figures, okay, qui sont les solutions du modèle. Ensuite, l'interrogation écrite, bah, c'est un examen classique, quoi, dans lequel vous avez par exemple. Donner le schéma implicite, avancé en temps, d'ordre 2 en espace, enfin, un truc comme ça, plus des questions un petit peu générales d'analyse numérique, du genre est-ce que ce schéma est stable ou pas? Et ensuite, pour le BE, en général, bah, vous le connaissez déjà certains non, probablement ceux qui viennent d'ailleurs. Les BE, c'est des sujets qui sont à caractère un petit peu appliqué, dans lequel vous n'êtes pas trop guidé, un peu mais pas trop. Et voilà, l'idée c'est de résoudre un problème un peu de type industriel, mais avec les méthodes du cours, quoi. Okay? Voilà, donc je vous dirai un peu plus la prochaine fois. Et de toute façon, vous allez avoir cours avec Monsieur Stéphane bientôt. Je ne sais plus quand, mais bientôt. En tout cas, après le TP. Okay, donc là, il y a ce cours, ensuite il y a le TP. Et ensuite, il y a des choses sur lesquelles vous allez être évalué. Mais si vous voulez, les choses sur lesquelles vous allez être évalué sont bah, la suite un petit peu plus compliquée de ce qu'on a fait juste avant. Ce qu'on a fait juste avant, c'est un peu une remise à niveau parce que certains l'ont fait en prépa, d'autres ne l'ont pas fait à l'EPF, certains aspects. Bon, voilà. Donc, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est un peu une remise à niveau. Et après, disons, le cours vraiment, il commence après le TP 1. Okay? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Ok. Bah, on peut commencer le cours d'aujourd'hui. Donc, le cours d'aujourd'hui, c'est les équations différentielles ordinaires. Donc, les cours précédents, on a vu comment résoudre. Enfin, on a vu comment résoudre, c'est dire un peu beaucoup. On a vu quelques méthodes basiques, hyper élémentaires, de comment résoudre des équations algébriques. Donc, des équations algébriques, c'est des équations qui s'écrivent sous cette forme-là, f de x égale 0. Et en fait, on a vu le plus simple du plus simple, puisqu'on a considéré qu'une fonction f était de R dans R, c'est-à-dire une variable réelle à valeur dans R. Mais en vrai,
on aurait pu avoir une fonction qui va plutôt de Rn dans R. Okay. Dans lequel, par exemple, si on était en dimension 2, on serait en train de chercher l'intersection de... Alors, je vais vous faire un petit dessin. Donc, en dimension 1, c'est le dessin que vous connaissez déjà. C'est, par exemple, un machin comme ça. On cherche un point. Le dessin en dimension 2, donc vous avez une surface qui va intersecter notre plan 0 dans une certaine région. Okay, donc par exemple ici, ça le touche comme ça. Et donc la solution de ce problème, c'est cette région-là. Hein, c'est cette courbe algébrique qui est définie par exemple un cercle. Vous savez que c'est la solution de x carré plus y carré moins le rayon carré égale 0. Okay. Donc là, ici, j'aurai une fonction de deux variables, x, y. Okay. Donc, c'est une fonction de R2 dans R. Donc, ça, on ne l'a pas vu, par exemple. Donc, on a vu que des fonctions de R dans R et deux méthodes super basiques. Une qui était à caractère topologique et l'autre qui était à caractère différentiel. Donc, l'une, c'est la méthode de dichotomie, l'autre, c'est la méthode de Newton. Et on avait déjà vu que même sur ces cas les plus simples, bah, parfois, on n'a pas convergence vers la solution. Parfois, il peut y avoir des cycles. Parfois, si la fonction ne respecte pas certaines hypothèses de dérivabilité, par exemple dans le cas de Newton, bah, ça ne risque pas de marcher. Voilà, donc l'idée de cette partie, c'est bah, déjà de vous apprendre quelques petites méthodes que vous pouvez comprendre et coder vous-même. Donc, c'est ce qu'on avait fait. Sachez qu'il y a des problèmes plus généraux, comme celui-là. Donc, si j'ai une fonction de plusieurs variables ou si j'ai plusieurs équations, donc ça serait le cas où on a une fonction f de Rn dans Rn, okay. Donc on a un système d'équations algébriques. Okay. Par exemple, vous, quand vous étiez en troisième ou quatrième, je ne sais plus, on vous a parlé des équations 2-2, deux équations linéaires à deux inconnues. Et ensuite, quand vous étiez en première année, deuxième année, on vous a dit que ben, en fait, ça se généralise à n variables. Quand c'est linéaire, c'est tout simplement un système de la forme Ax égale b. Okay. Ax égale b, ou A, c'est une matrice. B, c'est un vecteur. Mais si on veut le complexifier un peu plus, si on veut le généraliser davantage, cette fonction n'a aucune raison d'être linéaire. Okay? Et comme elle n'est pas linéaire, bah, je peux avoir un système d'équations algébriques générales qui va correspondre en fait à une interprétation physique, géométrique plutôt. C'est l'intersection des hypersurfaces algébriques définies par les équations. Donc, par exemple, là, dans le cas du cercle, okay. J'ai x carré plus y carré moins r carré égale 0. Qu'est-ce qui se passe si je veux, par exemple, intersecter mon cercle avec une parabole, okay. Donc là, ici, vous pourriez avoir cette parabole-là, par exemple. Voilà. Et un cercle qui serait ici. Donc, vous cherchez les points d'intersection de ces deux courbes algébriques. Bah, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de résoudre un système de deux équations algébriques couplées. La première, c'est le cercle, donc x carré plus y carré moins le rayon carré égale 0. Et la deuxième, c'est la parabole, c'est y moins x carré égale 0. Okay. Donc, les solutions de ce système de deux équations à deux inconnues sont les points orange que j'ai mis sur le dessin. Et bien ça, on n'a pas vu comment faire non plus. Mais bon, ça existe des méthodes plus compliquées que celles qu'on a vues pour ce type de problème. Ensuite, on a laissé de côté les équations algébriques et on est passé du côté des intégrations. Et on a dit, calculer des intégrales, c'est hyper important pour plein de raisons. Par exemple, en méthode stochastique, je vous ai parlé de la méthode de Monte Carlo. Et puis, il y a, par exemple, la formulation des éléments finis. Donc, ceux qui ont suivi la formation COMSOL, vous étiez d'ailleurs très nombreux, j'étais agréablement surpris. Ceux qui ont suivi la formation COMSOL, vous avez vu comment on a des géométries qui sont 3D, générales, et à l'intérieur, on peut avoir plusieurs physiques, on peut avoir de la thermique, on peut avoir de la dynamique des fluides, on peut avoir de l'électromagnétisme, etc. Et chaque équation, on va le voir dans deux cours, chaque type de physique comme ça est défini par, non pas des équations différentielles, mais des équations aux dérivées partielles. Et ces équations aux dérivées partielles, une façon de résoudre une certaine classe de ces équations s'appelle la méthode des éléments finis. Et la méthode des éléments finis consiste à discrétiser donc la surface
enfin l'hypersurface du domaine. Okay, c'est une variété, c'est une patate. Vous la discrétisez en éléments. Okay. Ces éléments, ce sont par exemple des pyramides. Hein, si vous vous souvenez, quand on a fait des maillages dans la formation, on discrétise la géométrie. Et ensuite, on va prendre les équations des rayons partiels qui décrivent la physique. Donc, par exemple, les équations de Maxwell pour l'électromagnétisme ou les équations de Navier-Stokes pour la dynamique des fluides. Et on va calculer un truc qui s'appelle une formulation faible. Okay. Bon, ça, c'est un peu trop compliqué. Je vous rentre pas dans les détails, mais c'est une grande avancée des maths du dernier siècle. On met les équations sous forme faible et là, on a une méthode qui s'appelle la méthode de Galerkin qui nous permet de calculer en fait les solutions de ces modèles par des calculs d'intégrale. Okay. Donc, en fait, quand vous avez utilisé COMSOL et la méthode des éléments finis, essentiellement, ça revient à 1. Discrétiser, 2. Transformer une équation différentielle en plein d'équations algébriques, et ces équations algébriques contiennent des intégrales. Okay. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour la parenthèse. Donc, on a vu comment intégrer une fonction. On a vu 3 méthodes, la méthode du point milieu, la méthode des trapèzes et la méthode de Simpson. Et encore une fois, on avait testé ces méthodes. Ça donnait des choses raisonnables pour des fonctions raisonnables, mais on a vu que facilement, on atteignait des limites qui n'étaient pas satisfaisantes. Par exemple, si on intégrait la fonction sinus, dont on connaît une primitive exacte sur un intervalle plus long, là, on avait vu que l'intégrale n'était pas bonne. Donc, une possibilité d'améliorer ça, c'était prendre des petits intervalles. En fait, on va appliquer la méthode plusieurs fois, une fois en subdivisant les intervalles de résolution. Okay. Et comme ça, il y a plein d'autres problématiques. Je vous avais parlé aussi des intégrales hautement oscillantes, dans lesquelles les fonctions ont des variations très très rapides, comme la fonction sinus de 1 sur x, quand x tend vers 0, et l'oscille infiniment vite, etc. Okay. Donc tout ça, c'est aussi pour vous dire, voilà quelques méthodes, mais on vous a juste ouvert la porte à un chouïa de tout ce qui existe, okay, et il y a encore beaucoup plus de choses que l'on ne sait pas faire. Okay. Donc ça, c'était... Voilà. Et aujourd'hui, on fait les équations différentielles ordinaires. C'est un sujet qu'on a déjà un peu traité au premier semestre avec le cours de commande des systèmes dynamiques. Donc, les équations différentielles. On va en parler aujourd'hui. Équations différentielles ordinaires. En général, on fait la différence pour les séparer de ce que va venir après. Ce sont les équations dérivées partielles, EDP. Si vous travaillez dans des trucs anglo-saxons, que vous allez chercher des livres ou des vidéos, vous trouverez la terminologie un petit peu différente. Ça sera des ODE, Ordinary Differential Equations, et PDE, Partial Differential Equations. Yeah. Bon, nous aujourd'hui, on se concentre sur les EDO. Et les EDO, quelqu'un sait quand est-ce qu'elles sont apparues? Qui a inventé les équations différentielles ordinaires? Par exemple, on va demander à Damien Ferrero. Tu nous entends? Oui. Okay. Oui, je vous entends, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Est-ce que tu peux nous dire qui a inventé les équations différentielles? Je ne me souviens plus. C'est Newton. Okay. Ah oui, d'accord, ouais, c'est vrai. Donc Newton a inventé... le calcul différentiel et intégral, c'est lui qui a inventé les dérivés, c'est lui qui a inventé les intégrales, un peu parallèlement à Leibniz, un Allemand qui était plutôt motivé par des problèmes de géométrie. Newton était motivé par des problèmes de physique. Et donc, c'est lui qui a le premier introduit les équations différentielles. Est-ce que tu peux nous dire, Damien, qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle? Comment expliquer ça simplement? C'est une équation où la solution, ça va être une autre équation? Non, la solution d'une équation n'est pas une équation. Ouais. Est-ce que tu peux me donner un exemple d'équation différentielle? Je sais pas, x' égale f de x de t, par exemple. Très bien, x' égale f de x de t. Et donc ici, ça c'est une équation. Avec des conditions initiales qui peuvent nous être données ou non. Par exemple, ouais. Oui, je me suis mal exprimé quand j'ai dit la solution, c'est une autre équation, c'est voilà, c'est parce que...
Donc la solution, c'est quoi? Ensuite, on va chercher du coup à résoudre ça, et avec les conditions initiales, on peut aller plus loin dans la résolution de notre équation. Voilà, on va chercher à résoudre ça, et à la fin, qu'est-ce qu'on trouve? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce que vous attendez comme réponse? Donc, si on veut résoudre une équation, on cherche quelque chose. Oui. On va trouver des fonctions. Voilà. Donc, une équation différentielle, c'est une équation dont l'inconnu est une fonction. OK? Et l'équation, donc cette égalité, hein, équation, ça vient du latin aequi, qui veut dire égal. Cette égalité fait intervenir la fonction inconnue et une ou plusieurs de ses dérivées. Okay. Donc là, ce qui est important pour les EDO, c'est que c'est une fonction qui dépend d'une seule variable, ici c'est x de t. Okay. Et ce que je cherche, c'est la fonction ou les fonctions qui satisfont cette égalité x' égale f de x. Okay. Très bien, merci Damien. Donc, chercher des équations différentielles, résoudre des équations différentielles, c'est chercher les fonctions qui, quand on les remplace dans l'égalité, ça fait la même chose. On va demander, par exemple, maintenant à Anaïs. Belia, tu nous entends? Oui, allô, bonjour. Bonjour Anaïs. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça sert de résoudre des équations différentielles? Est-ce qu'on peut l'utiliser aussi pour le Laplacien? Alors, le Laplacien, c'est un opérateur différentiel. Okay. C'est un peu comme dire c'est une dérivée, quoi. Okay. Le Laplacien, c'est une dérivée. Mais à quoi ça sert de résoudre des équations différentielles? Ça sert surtout à toutes les équations. Ce sont, par exemple, on va dire les équations d'un pendule ou, par exemple, la masse ressort. C'est une équation différentielle, donc ça sert à résoudre surtout ce genre de problème. Ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire résoudre ce genre de problème? C'est quoi le problème? C'est qu'on a un y' et un y, ou un y'. Oui, d'accord, ça c'est l'équation, mais quel est le problème sous-jacent? Tu vois la question? Non, pas vraiment, désolé. Pas vraiment. C'est-à-dire, quelle est l'utilité de résoudre une équation différentielle? Est-ce utile? Ça se trouve, c'est pas utile. Je dirais juste en fait que résoudre une équation différentielle, c'est utile parce que ça modélise un problème la plupart du temps, comme l'oscillation d'un pendule ou ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, ça commence à être mieux. Voilà, exactement. Donc, les équations différentielles servent de modèle, okay, pour la description de tout un tas de phénomènes. Okay. Donc, l'objectif, à la base, c'est plutôt de donner une représentation mathématique d'un phénomène. À quoi ça peut servir cette représentation mathématique? Ça peut servir donc à déjà traduire la dynamique des objets qui sont à l'intérieur. Okay. Donc traduire la dynamique des objets, c'est par exemple, comme l'a dit Anaïs, passer de la loi de Newton qui fait un bilan de force à quelque chose que je peux calculer et sur lequel je vais pouvoir faire des prédictions. Okay. Donc ça permet de comprendre un peu le modèle conceptuel que l'on a fait, ça permet d'expérimenter des choses, okay, puisqu'il y aura des paramètres en général et on peut se demander okay, qu'est-ce qui se passe si je fais bouger tel ou tel paramètre. Okay. Donc déjà Newton l'avait bien compris, c'est très utile de résoudre des équations différentielles. Okay. Donc il y a plein de modèles en économie, en biologie, en médecine, en physique, en tout ce que vous voulez, même en sociaux, qui sont basés sur des équations différentielles. Alors, on sait, tous les modèles sont faux. Okay, ça, je vous le dis et je ne me fatiguerai jamais autant de vous le dire. Tous les modèles sont faux, mais ils sont pratiques et utiles dans certains cadres, okay, lorsque certaines hypothèses de validité sont satisfaites. Okay. Donc, les équations différentielles les plus générales vont s'écrire comme une certaine relation, c'est pour ça que je l'appelle ça cette relation F,
entre la variable, en général on l'écrit t, mais ça c'est pas forcément le temps, ça peut être n'importe quelle quantité, la fonction inconnue, x de t, sa dérivée première, x prime de t, sa dérivée seconde, x prime prime de t, et ainsi jusqu'à la dérivée énième de la fonction x de t. Okay, et tout ça égale 0. Donc ça, c'est la façon, disons, très générale d'écrire une équation différentielle ordinaire. Nous, on va se concentrer sur un type d'équation différentielle qu'on appelle résolue dans la dérivée, c'est-à-dire des équations différentielles qui sont de la forme x prime de t égale f de x de t. Et ce qu'on avait vu le semestre précédent, okay, en commande des systèmes dynamiques, c'est que ce cas-là n'est pas très restrictif. Il est quand même assez général, puisque toute équation différentielle d'ordre n, bon, il y a certaines petites hypothèses pour que ça soit complètement vrai, mais en gros, pour toutes les équations différentielles que l'on va rencontrer dans ce cours, d'ordre n, on pourra les rendre d'ordre 1. Okay, on pourra les ramener à une équation différentielle d'ordre 1, qui aura cette forme-là. Et vous verrez aussi parfois, et si vous êtes curieux, vous allez voir par exemple les polycopiés du cours de Sceaux ou de Troyes, dans les cours apparaissent ces fonctions-là. X' égale f de tx. Okay, la différence entre la rouge et la verte, c'est que la rouge, c'est une équation autonome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une dépendance explicite du temps. Et dans la verte, il y a une dépendance explicite du temps. Donc la verte a l'air plus générale. Okay. Bon, en fait, il n'en est rien. Elle est aussi générale, la rouge, puisqu'en fait, on peut passer de la verte à la rouge en rajoutant une équation. Okay, c'est-à-dire que c'est la même chose que quand je dis une équation différentielle d'ordre n est équivalente à n équations différentielles d'ordre 1, donc en gros, une équation différentielle vectorielle. Bah là, c'est la même chose. Si j'ai en plus une dépendance en temps, quitte à augmenter la dimension, je peux me ramener à une équation autonome. Okay, donc en fait, il n'y a aucune restriction quand je considère ce type d'équation. Okay, les choses vont marcher pareil. Et donc, comment je fais pour passer de là à là? Eh bien, je rajoute à mon système d'équations différentielles précédent l'équation différentielle t prime ou t point, comme vous voulez, égale 1. La dérivée de t par rapport à lui-même, c'est 1. Okay, donc, si vous rajoutez à la fin cette équation différentielle, vous avez transformé l'équation qui était non autonome en autonome. Okay. Bon, voilà. Donc, j'ai une ça question, va être... monsieur. Oui. Je vous coupe tant qu'on est dans le sujet. Du coup, quand on fait une réduction de l'ordre, par exemple, on a un x seconde, on va obtenir du coup deux équations, oui, différentielles d'ordre 1. Donc, ça veut dire que sur les deux équations, il va falloir faire après la méthode de l'heure ou de Kunta. Voilà, exactement. Je vais vous montrer ça. De toute façon, c'est dans la vidéo que je vous ai préparée pour aujourd'hui. Mais je vous le montre vite fait. Prenons l'équation du pendule. X point point plus x égale 0. C'est une équation d'ordre 2, donc je sais que je vais avoir deux variables. La première, okay, x1', c'est tout simplement x2. La vitesse, c'est la dérivée de la position, c'est la vitesse. Et ensuite, la dérivée de la vitesse, c'est l'accélération. L'accélération, c'est x1'. Donc ici, ça va faire juste moins x1. Okay. Et ça, vous pouvez toujours le faire. Vous avez une équation d'ordre n'importe lequel. Par exemple, je vais en faire une avec une d'ordre 3. 3x prime 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 plus 2x prime prime moins x prime plus 2x égale 0. Bah, ça marche pareil. Vous dites x1 prime égale x2. C'est d'ordre 3, donc j'en ai besoin de 3. x2 prime égale x3. Et enfin, x3 prime, qui est la dérivée tierce, va être égal à, donc le 3 qui est là va passer de l'autre côté comme un tiers, donc ça va me faire un tiers de, je passe tout de l'autre côté, donc ça va faire moins 2 x prime prime, c'est-à-dire x2, moins x1, x prime, ça veut dire x1, pardon, x, pardon, là je me suis gouré, ça c'est x3, x2, voilà, tac, tac, x3, x2, plus 2x, ça passe comme moins 2x1. Okay. Et là, je viens transformer donc cette équation différentielle d'ordre 3 en trois équations différentielles d'ordre 1. Alors, ce n'est pas juste pour vous embêter
qu'on vous apprend ça, c'est parce qu'en fait, dans le TP MATLAB que vous allez devoir faire, il n'y a pas le choix. MATLAB vous oblige à, si vous avez une équation d'ordre n, à la transformer en une équation différentielle d'ordre 1 pour pouvoir utiliser les fonctions de MATLAB. Okay? Donc, dans le TP, vous allez devoir faire cette petite manipulation quelques fois. Je pense 3 fois au total. Voilà. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Et oui, donc pour finir de répondre à la question, effectivement, regardez, là, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai une équation différentielle d'ordre 3, donc elle s'écrit comme le vecteur grand X prime égale une certaine fonction de grand X. Cette fonction f, c'est une fonction qui va aller de R3 dans R3 que à x1, x2, x3, x1, x2, x3, associe tout ça, ce vecteur-là. Okay. Donc, c'est un champ de vecteurs. Okay. C'est une fonction de Rn dans Rn. Et voilà. Et c'est cette fonction qu'on va utiliser dans la méthode de l'air. Alors, je vous explique vite fait la méthode de l'air, mais sinon, je vous laisse voir la vidéo que je vous ai préparée. La méthode de l'air est très simple, consiste à dire que si je suis en un endroit de la fonction et que je calcule la tangente de cette fonction en ce point, si je bouge un chouïa à droite, si je me déplace de petit h à droite, le vrai endroit de la fonction, il est là, mais il n'est pas trop loin de l'endroit où se trouve la tangente. Vous voyez, cette distance entre ces deux points est petite. Donc la méthode de l'air, elle est basée entièrement là-dessus. Elle est basée en disant, je pars de ma certitude, qui est ma condition initiale, et je dois aller dans une direction. Pas trop difficile, la direction la plus simple ici, c'est d'aller le long de la tangente, et pendant un temps H. Je m'arrête là, et je vais dire que le point que je cherchais, il n'est pas trop loin de celui où j'approche par la tangente, donc je prends celui-là comme bon. Évidemment, au fur et à mesure que l'on va répéter cette action, les erreurs vont se cumuler. Et au bout d'un moment, ça ne va plus être aussi satisfaisant qu'avant. Okay? Il y a plusieurs techniques pour améliorer ça. La plus basique, c'est de réduire le pas h. Au lieu d'aller sur un temps petit h égal à 1, je le fais de petit h égal à 1/2 ou 1 centième ou 1 millième. Mais comme je vous ai dit, il y a le principe dans la vie de ce qui coûte cher est cher. Et ce qui coûte pas cher, c'est pas cher. Donc ici, vous voulez être plus précis, c'est plus cher. Donc il y a un prix à payer. Quel est le prix à payer? C'est le temps de calcul. Okay. Donc un pas plus petit va rendre le calcul plus long. Et après, il y a d'autres techniques. Okay. Vous pouvez payer un prix supplémentaire pour développer des algorithmes plus sophistiqués qui vont avoir une meilleure convergence pendant des temps plus longs. Alors, je ne sais pas si cette année je vais vous en parler, peut-être que oui, peut-être que non. En mécanique céleste, vous savez, par exemple, là il y a le Soleil, et là les orbites planétaires, ce sont des ellipses, okay, ça ce sont les lois de Kepler. Donc là vous avez une planète. Cette planète, bon, elle bouge selon les lois de Newton, un truc assez simple. Et en fait, c'est une équation différentielle. Donc, si vous voulez résoudre cette équation différentielle, vous allez trouver la trajectoire de la planète. Stricto sensu, si on considère le système isolé, la trajectoire est parfaitement elliptique et elle tourne sur elle-même. Okay? Mais là, ce que vous allez voir, si vous utilisez par exemple la méthode de l'air, c'est que vous allez produire des erreurs. Et par exemple, la planète va finir par s'échapper. Ce n'est pas la vraie trajectoire, vous voyez. C'est ce que vous donne votre méthode numérique. Mais si vous ne faites pas attention, vous pourriez penser que c'est la bonne et conclure quelque chose qui serait faux. Okay. Donc, un truc qui est important de ce cours aussi, c'est de vous mettre en garde de toutes les sources possibles d'erreurs dans le calcul. Okay. Ça peut être la méthode, la précision de la méthode. Ça peut être aussi des choses un peu plus fines comme l'allocation mémoire. Ça peut être l'équation différentielle elle-même qui présente certains comportements intrinsèques à l'équation. Je pense par exemple à des trucs qui s'appellent des systèmes lents rapides dans lesquels il y a plusieurs échelles de temps dans l'équation. Voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent faire que ça ne vous donne pas la bonne solution. Okay, ça, vous devez en être conscient.
évidemment, vous n'allez pas sortir de ce cours en étant des pros de l'analyse numérique, mais au moins, vous aurez, je pense, senti les difficultés. Okay. Est-ce que vous avez d'autres questions avant de passer à la suite? Oui. Ok. Oui. Au bout de combien d'itérations, l'erreur, elle est trop importante? Bah, en fait, l'erreur... Ça dépend de H. Ça dépend de H. Très bonne remarque. Donc, l'erreur, ici, E, c'est une fonction de H. C'est-à-dire, E, c'est une fonction de H. Mais c'est aussi une fonction de la méthode. Okay, on va voir que la méthode de l'air, par exemple, c'est une méthode d'ordre 1. C'est-à-dire que si H... C'est-à-dire que l'erreur, c'est... alpha fois h. Hein, c'est proportionnel à h. Ça, ça veut dire que c'est une méthode d'ordre 1. On verra la méthode de Runge-Kutta à l'ordre 2 et à l'ordre 4. Eh bien, ça sera respectivement proportionnel à h carré ou proportionnel à h puissance 4. Okay. Ça veut dire que si je m'autorise un pas de 1 dixième, eh bien, la méthode de Runge-Kutta à l'ordre 4 produit une erreur de 1 sur 10 000. Okay. C'est une fonction également de, donc j'ai dit de H, de la méthode et de quoi d'autre, du modèle, hein, de l'équation. Il y a des méthodes, par exemple la méthode de Runge-Kutta à l'ordre 4, la plupart des gens sont hyper contents avec elle, mais elle ne va pas être bonne pour certains problèmes, par exemple dans le TP numéro 1 qui est déjà disponible sur Moodle, je vous l'ai mis là. Je vous donne un exemple de système lent rapide, okay, c'est l'oscillateur de Van der Pol. Et il y en a d'autres bien connus comme le modèle du bruscillateur en cinétique chimique, dans lequel l'équation, le phénomène lui-même, il a des échelles de temps lentes et rapides. Et si votre méthode passe à côté des moments où ça varie rapidement, bah vous êtes en train de rater un moment fort du système. Et ça vous donne un peu n'importe quoi. Okay. Donc voilà, l'erreur, c'est une fonction de tout ça. Peut-être que j'ai oublié des trucs en plus. Mais déjà, vous voyez qu'il y a différents points qui peuvent influencer le truc. Ok. Ok, merci. D'autres questions? Oui, est-ce que vous pouvez revenir sur la page 5 et expliquer à quoi correspond X1, X2 et X3? J'arrive pas à voir... X1, X2, X3, ce sont des fonctions auxiliaires. Dans la première ligne, il n'y a que du X. Ok, mais avec dérivée tierce. Si moi je veux le transformer en un système de trois équations différentielles d'ordre 1, il faut que j'introduise des variables auxiliaires, ce sont x2 et x3, qui vont me permettre de les... En fait, c'est les dérivées. x2, okay, c'est la dérivée première. x3, c'est la dérivée seconde. Ok, d'accord. Et du coup, après, pour la dernière ligne, vous... Bah, pour la dernière ligne, j'ai juste passé tout le reste, tout ça, de l'autre côté. Tu vois, la dernière ligne me dit x'', hein, celle-ci, x'', est égal à tout ça de l'autre côté divisé par 3. Ok, mais du coup, c'est pas plus x2 Plus x2... oui, c'est plus x2, merci. D'accord. Voilà. Ok. Ok, merci. D'autres questions? Oui, moi j'aurais une petite question. Uh-huh. C'est du coup pour la méthode de l'heure là. Vous avez marqué dans votre vidéo que en gros, la suite qu'on devait trouver, c'était xn plus 1 égale xn plus, oui, h fois f de xn. Oui. Et le f de xn, le f, c'est quoi en fait? Je ne sais pas trop comment le coder. Parce que ouais, regarde, le f. Attends, je vais voir si je peux l'effacer tout ça. Tac, voilà. Le f, ok, c'est la fonction que a x1, x2, x3. Ok. Associe la dynamique, c'est-à-dire ce vecteur-là, x2, x3, 1 tiers de moins 2 x3 plus x2 moins x1. Tu vois? Ici, le f, il est là. Ça, c'est le f de x1, x2, x3. Ok.
Ok, donc du coup, pour le premier cas, Voilà, pour le premier cas. x' égale x, je crois. Voilà, pour le cas qui est là. J'aurai pile celui-là. Je prends celui-là, je vais m'éloigner un peu, voilà. Pile celui-là. J'aurai xn plus 1 égale xn plus h fois f de xn. Alors, xn, c'est qui? Xn, bah, c'est tout simplement x1, ok, à l'indice n, et x2 à l'indice n. Ok? Et donc, je vais avoir une suite, okay, qui va être x1 n plus 1, qui va être égal à x1 n plus h fois le f ici, c'est cette fonction-là, le f. Okay? Donc ici, ça sera h fois x2. Okay? Et en dessous, je vais avoir x2 n plus 1 égale à x2 n plus h fois moins x1. Ouais. Ok, merci. X2 moins x1. Alors, est-ce que tu peux me dire, du coup, Quentin, qu'est-ce que ça donnerait dans ce cas ici? C'est la même chose. X1 indice n plus 1 égale x1 indice n Ouais. plus h fois x2 Très bien. indice n. 2 indice n, voilà. Et ainsi de suite. Et Très ainsi de bien. suite. Ok. Super, tu as compris. Monsieur, par rapport à cet exemple-là, l'exemple juste à gauche, là, la petite équation, Ouais. j'ai pas compris pourquoi est-ce que vous avez mis, je crois que c'est x1' égale à x2. Alors, ça, c'est général, hein, c'est-à-dire que c'est toujours comme ça quand on veut passer d'une équation d'ordre n. Alors, je vous fais le cas général, peut-être que vous allez comprendre comme ça. Je vous fais le cas général. Vous avez une équation différentielle d'ordre n, okay? C'est-à-dire que vous avez alpha x dérivé nème plus, donc alpha n plus alpha n moins 1 x dérivé n moins 1 plus blablabla plus alpha 1 x prime plus alpha 0 x. Okay? Ça, c'est une équation différentielle d'ordre n. Moi, ce que je veux dire, c'est que x1 prime égale x2, x2 prime égale x3. Qu'est-ce que ça représente le... Bon, déjà, je vais vous écrire les trucs en vert. Donc déjà, le x1, c'est x. Okay? Le x1, c'est x. Donc ça, c'est x1. Je vais le mettre ici au-dessus de lui. Ça va être plus facile. Donc, x, c'est x1. OK? Mais x1, ça veut dire que c'est pas dérivé du coup. Et x1 prime, c'est qu'on dérive une fois, c'est ça? Voilà. Et donc, si je dérive une fois, j'obtiens x2, Ok. c'est-à-dire x1 prime. Et ainsi de suite. Donc, x dérivé énième, c'est qui? Eh bien, c'est le x indice n plus 1. OK? Hein, je rajoute 1 par rapport à la dérivée. Et ça, c'est égal au xn prime. Et donc, de manière générale, hein, c'est beaucoup plus simple que tout ça, c'est x1 prime égale x2, x2 prime égale x3, x3 prime égale quoi, Michel? X4, Ouais. X4 prime égale. X5. Ouais. Et ensuite, blablabla, jusqu'à xn prime égale quoi? Xn plus 1. Oui, certes, mais attention. Là, ici, je suis arrivé à ce que je voulais, qui était ça. Donc, en fait, c'est moins tout le reste. Ça va être 1 sur alpha n fois tout le reste avec des signes moins. Moins alpha n moins 1 x. Le n moins 1, ça va être le n. OK. Moins blablabla, moins alpha 1 x2, moins alpha 0 x1. Ouais. Ouais, ok, ça marche, merci. D'autres questions? Non? Ouais, moi j'ai une question, monsieur, par rapport Oui? au code MATLAB. Par rapport à quoi, pardon? Par rapport à un code MATLAB, en fait, un code en général, quand on souhaite attribuer une formule mathématique à une fonction, Oui?
on a vu du coup dans les fichiers F2 que vous nous aviez envoyés là sur la méthode de dichotomie Newton une manière du coup que vous aviez de faire ça mm-hmm. en faisant fonctionner avec y égale à 2x. Et on avait vu aussi la dernière fois dans le cours sur l'intégration une méthode dans laquelle vous mettiez un arrobase mm-hmm. et vous attribuez une fonction g, par exemple la fonction cos. Et du coup, je ne comprends pas la différence qu'il y a entre les deux et dans quel cas, du coup, on doit appliquer l'une méthode ou l'autre. D'accord. Si la fonction est extrêmement simple, vous appliquez le truc arrobas. Le arrobas, en fait, ça s'appelle des lambda fonctions. Okay, c'est un truc qui vient d'une théorie informatique qui s'appelle le lambda calcul. C'est des fonctions pures. Dans Wolfram, on appelle ça des fonctions pures. C'est des fonctions qui sont... C'est vraiment des fonctions en sens mathématique du terme, quoi. C'est la fonction que a x associe un machin. Okay. Les autres fonctions, celles qui sont dans un script, sont surtout utilisées pour la modularité du code. Okay. Quand les codes deviennent complexes, on a besoin de les partitionner dans plusieurs petites briques. Et en général, par exemple, si vous avez un système genre un robot ou des choses comme ça, vous allez avoir plusieurs scripts qui vont s'attaquer à différentes problématiques. Là, ici, dans le cours d'analyse numérique, ce que vous allez faire, c'est d'un côté, mais c'est une très bonne question, d'un côté, vous allez avoir le fichier F, okay, la dynamique. Moi, je vous conseille de l'appeler dynamique. Okay, dynamique.m. Que contient la dynamique? Eh bien, il contient la fonction F hein, de l'équation x' égale f de x. Il contient la fonction f. Ensuite, vous allez avoir un autre script qui s'appelle le main. Moi, j'aime bien l'appeler main, un peu hérité de C++, mais vous l'appelez comme vous voulez. C'est le fichier principal dans lequel il y a le script avec les paramètres. Par exemple, là, quand vous allez faire le TP la prochaine fois, il y a plein de lettres. Okay, eh bien, ça contient, par exemple, alpha égale 2, bêta égale 1. Et ensuite, ici, vous allez... Dans le TP, vous allez faire appel à la fonction ODE45. Okay, donc vous dites, ma solution, c'est la fonction ODE45 qui prend ma dynamique F. Okay, donc la dynamique F, elle apparaît là. Et ici, vous avez donc utilisé une certaine fonction, par exemple ODE45, elle est déjà connue de MATLAB, mais parfois non, parfois c'est une méthode que vous avez implémentée vous-même. Donc vous avez un troisième fichier que vous pouvez appeler méthode.m, dans lequel vous définissez la méthode numérique, par exemple les trapèzes ou la dichotomie ou Newton. Okay, donc vous avez ces trois fichiers en toute généralité. Un où vous définissez la méthode numérique qui est indépendante du F. Okay, ça marche pour n'importe quel F. Ensuite, un fichier dynamique.m dans lequel vous définissez l'équation différentielle précise, celle de la dynamique, peu importe. Et un troisième où vous avez le script principal où tout est assemblé et les graphiques apparaissent, machin. Okay, essentiellement. Donc, c'est dans ce cas-là qu'on va préférer faire la fonction dans un script séparé, quand on va essayer de garder un code qui soit le plus modulaire possible. Et notamment, avec nous, moi je l'utilisais surtout parce que c'était hyper simple, mais de manière générale, il vaut mieux utiliser un point M. Okay, voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Juste pour MATLAB, au niveau de l'équation différentielle, du coup, on la rend dans F, mais est-ce qu'il y a une fonction qui permet de lui dire bah, il faut que tu fasses une réduction de l'ordre de... Non. Non, la réduction de l'ordre, c'est vraiment vous-même qui devez la faire en amont, à la main. Ok. À la main, du coup, pas sur la machine. Non, à la main. Sur Mathematica, ça le fait automatiquement. Sur Wolfram Mathematica, ça le fait automatiquement, la réduction de l'ordre. Mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi MATLAB ne le fait pas. D'accord. C'est dommage. Voilà, d'autres questions? Sinon, voilà, donc, ce que vous devez faire, là je vais aller chercher un verre d'eau. Vous regardez, donc, ici, dans Moodle, la petite vidéo, okay, cours numéro 3, c'est dans le chapitre 2. Et ici, vous avez l'activité à faire. Donc, première question, écrire le schéma de l'air et calculer pour h égale 0,1 les trois premiers termes pour les problèmes de Cauchy suivants.
Bon, après, si vous l'avez fait pour 3, vous pouvez le faire pour 15 ou pour 1000 et tracer les graphiques des solutions ici. Okay. La première équation, c'est une fonction exponentielle. Okay. C'est la division cellulaire. L'équation numéro 2, c'est l'équation logistique. Okay. La solution, c'est la fonction sigmoïde que je vous ai déjà parlé. C'est la fonction d'activation dans les réseaux de neurones, enfin, une des fonctions d'activation. L'équation numéro 3, c'est le pendule simple. L'équation 4, c'est le système proie-prédateur. Et l'équation 5, c'est une équation qui vient de la mécanique. Ça s'appelle l'équation des plaques, avec un bilaplacien si on était en dimension supérieure. Et enfin, pour les deux petites dernières questions, trouver la solution explicite, okay, et tracer les solutions approchées numériques par le schéma de Runge-Kutta à l'ordre 4 de ces deux équations. La première, pareil, c'est une décroissance radioactive, okay, une des intégrations radioactives, et la deuxième, c'est pareil, le système masse-ressort. Okay, voilà, donc je vous laisse regarder ça et on fait le bilan dans une petite demi-heure. J'ai une question sur le code MATLAB aussi. Oui. Je me demande, je ne sais pas trop comment on peut faire pour faire une méthode append un peu comme en Python. Par exemple, pour faire une liste et avoir toutes les valeurs x0 jusqu'à xn pour ajouter des valeurs dans une liste en MATLAB. Voilà, par exemple, si la liste s'appelle L, okay, L, mettons que c'est la liste ABC, et que je veux rajouter un truc, par exemple, à la quatrième case, je dis tout simplement L de 4 égale D. Et comme ça, quand j'évalue L, ça va me donner ABCD. Ah ok, ça se fait directement. Ouais, ah, okay. Alors il y a d'autres façons de faire, mais ça c'est disons la plus simple. Ok, bon, ben merci alors. Bon, ben écoutez, je vous dis bon visionnage. On fait le point dans une demi-heure et... Ok, je vais aller me chercher un verre. À tout de suite.
Ok, donc il y a déjà 6 personnes qui ont fini de voir la vidéo. Est-ce que les autres... Non, je n'ai pas fini. Okay. Il me reste encore 15 minutes presque. D'accord, ça marche.
Bon, je vois qu'il y a pas mal de monde qui commence à finir. Vu qu'il ne reste pas longtemps avant la fin du cours, je vous propose de répondre aux questions s'il y en a. Moi, j'ai une question encore. Oui, très bien. Est-ce que vous pouvez faire avec nous le 3, la troisième de l'exercice 1, pour voir comment on fait après la réduction d'ordre, s'il vous plaît? Bah oui, on va le faire ensemble, Audrey. Donc, est-ce que tu peux nous partager ton écran? Attends, je vais enlever le mien. Je vais te donner les droits de partage. Vous voulez dire l'exercice ou le... Puisque j'ai essayé de faire quelque chose, mais attendez, parce que du coup, c'est... Attends, t'es où? Attends, Martin, c'est par ordre alphabétique. Martin, André, OK. Designer comme... Voilà, c'est bon, tu peux présenter. Alors, oui, deux secondes. Du coup, je vais quitter et revenir, parce que c'est pas sur le même appareil. J'arrive. Ça marche. Monsieur, tout à l'heure, vous avez dit à Quentin que la fonction, elle était composée de... en fait, faut qu'on trouve x1', x2', et la fonction, elle est composée de ces valeurs-là? Oui, c'est ça. La fonction, c'est vraiment le membre de droite du système. Oui. Mais du coup, pour la première question, le premier exercice, là, c'est f de xn, c'est égal à x1. Tu peux me dicter la première équation? C'est juste x' est égal à x. Voilà, donc là, il n'y a même pas besoin de réduire l'ordre. Hein, c'est déjà une équation d'ordre 1. Ouais. Du coup, on dit que f de xn est égal à x1. Du coup, f, c'est la fonction qui va de r dans r, que ax associe x. Ok, ici, il n'y avait pas de mystère. C'est x. Ok, d'accord, ça marche. Et du coup, c'est xn plus 1 égale xn plus h fois f de xn. Et c'est quoi f de xn? Si f, c'est cette fonction-là. Bah, juste x. Xn, voilà. Oui, xn. OK, merci. D'autres questions avant que votre collègue se connecte? Moi, j'en ai une. Oui. Le schéma de l'air, ce qu'on appelle le schéma, en fait, c'est juste le système. Le schéma, c'est la suite. Ah, le schéma, c'est la suite. Okay. La suite, ouais, vraiment, xn plus 1 égale xn plus h fois f de xn. D'accord. Okay, merci. Le schéma, un schéma, c'est une règle, en fait. C'est un algorithme. Okay. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas du tout? Oui, c'est bon. Ah, bon, alors, c'est bon. Alors, du coup, j'ai fait ça pour l'instant, pour le 3. OK, alors, pour le 3, c'est quoi l'équation? C'est x0 égale à 1, x'0 égale à 0, x'de t plus x de t égale à 0. Voilà, donc là, c'est la dernière. Hein. Donc les deux premières, c'est les conditions initiales, la dernière, c'est les quadifs. Donc c'est une équation d'ordre 2. Donc il faut combien de variables auxiliaires? 2. Il en faut 2. Voilà, oui. x1 et x2. Donc on dit toujours x1' égale x2 et x2' égale tout le reste. Ici, donc, oui. Moins x, donc moins x et moins x1, donc très bien. Ensuite, est-ce que tu peux écrire f, c'est la fonction, donc f de point r2 dans r2, que à x1, x2 en vecteur, en bas du premier r2, associe, donc flèche avec un truc vertical au début. Comme ça? Oui, bon, une petite barre verticale au début de la flèche en dessous, mais c'est un détail. Qu'est-ce que ça va associer? Okay. Vertical. Ça va associer. Vertical, oui, j'ai compris. Ok, ça va associer, bah, du coup. X2 moins x1. X2 et moins x1, oui, exactement, oui. Voilà. Et donc, du coup, dans le schéma de l'air, on va avoir x1n plus 1 égale à x1n plus h fois x2 de n. Très bien. Et en dessous, on va avoir x2 de n plus 1 égale à x2 de n moins, parce qu'il y a le moins x1,
fois h. Très bien. Bon, c'est parfait. Mais du coup, est-ce qu'on peut remplacer ça par xn et x' de n pour que ça soit plus... Tu veux dire enlever les 1 et les 2 là, comme j'ai fait là, est-ce que c'est possible de faire quelque chose comme ça ou pas? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Non. Pas les primes, non. Le 0,1, c'est OK, mais les autres, non, pas du tout. OK, d'accord. Donc ça, c'est pas bon. Mais donc, du coup, là, après ça, on prend tous nos termes et on fait x à 1 égale à... Voilà, regarde. On a déjà x1 en 0 et x2 en 0. Est-ce que tu peux me dire combien va valoir x1 en 1? Non, pas en 0, mais en... Ça va valoir 1 plus 0,1 fois, du coup, x2, donc, fois 0. Donc, voilà. Juste 1. Très bien. OK. OK. Et x de 1, ça va valoir combien? Mais ça va... Je ne t'entends plus. Je ne sais pas si les autres l'entendent encore ou c'est moi qui... Non, ça a coupé. Ça a coupé, ouais. OK. Bon. En tout cas, elle a bien compris. Est-ce que vous avez compris? Vous avez les conditions initiales et ensuite, vous lancez la machine avec le n plus 1. Comment je calcule le n plus 1? Par la formule qu'il y a x de n plus h fois f de xn. Monsieur, j'ai plus tout compris le 0,1, d'où elle le sort. Le 0,1, c'est le petit h. Ah, d'accord. H vaut 0,1. C'est le pas, OK? C'est les deux, entre deux instants de 0,1 seconde, je calcule la solution. Si je diminue h, j'avance un peu moins loin. Si j'augmente h, j'avance plus loin. Mais aller plus loin, ça veut dire augmenter l'erreur, parce que la tangente s'éloigne de sa fonction. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que vous partiez manger? J'avais... Bonjour. Oui. Oui. Moi, j'ai des questions. Je pense que je voyais Quentin venir, mais je pense que c'est pour MATLAB aussi. Honnêtement, j'ai du mal à le traduire sur MATLAB. Parce que